pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. La qualité française. Bonjour à tous, c'est Valentin, le home cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour vous parler du Comte de Monte Cristo, réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. C'est deux mecs qui avaient réalisé Le Prénom, le film. Tu avais vu ? J'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu. Avec Patrick Bruel. En vrai, super film avec des super dialogues et un bon retournement de situation. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une comédie française, mais justement, qui sort de l'ordinaire. Et vu qu'on parle de comédie française qui sort de l'ordinaire, bon, là, c'est pas une comédie, mais Le Comte de Monte Cristo, adapté d'une œuvre d'Alexandre Dumas, multiplement adaptée d'ailleurs un peu partout en France et à l'étranger. C'est une nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo qui intervient après la sortie l'année dernière des Trois Mousquetaires dont nous avons allègrement parlé sur cette chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo Flop 2023 pour vous en rendre compte. Ce n'est pas la vengeance, c'est de la justice. Bon, tout ça pour dire que, voilà, il y a en ce moment chez Pathé une volonté par les producteurs d'adapter les œuvres d'Alexandre Dumas, en tout cas des grandes œuvres littéraires au cinéma et avec un budget très conséquent. C'est donc le DCU, le Dumas Cinematic Universe. Exactement, j'allais le faire. Dans cette vibe d'adapter des grandes œuvres françaises, intervient le Comte de Monte Cristo qui est sorti en début d'été, là. Et donc, Valentin, peux-tu nous dire, pour une fois, on va changer un petit peu, de quoi nous parle le Comte de Monte Cristo ? Nous suivons le personnage de Edmond Dantès. Il est amoureux d'une jeune femme, il est promu capitaine. Bref, c'est un jeune homme brillant et plein d'avenir qui, du jour au lendemain, se voit accusé d'avoir trahi le royaume de France. Et donc, il est jeté au cachot et laissé à l'abandon, laissé pour mort aux yeux de tous ses proches. Et donc, c'est une histoire de vengeance, parce qu'en fait, il va finir par s'échapper de ce donjon et revenir auprès de tous ses proches, je crois, une bonne dizaine d'années, voire bien plus tard, je sais plus combien de temps. Il revient 15 ans après, je crois, si je me trompe pas. 15 ans après, voilà, c'est ça, ouais. Enfin, il revient de nombreuses années après, mais sous les traits, sous le masque du comte de Monte Cristo, pour venir hanter les gens qui l'ont mis de force dans ce cachot, et donc pour exercer tout simplement sa vengeance. Mais qui êtes-vous ? I'm vengeance. I'm vengeance. Et donc voilà, c'est une histoire de vengeance très célèbre. Bon, je vais m'abstenir de raconter la fin. C'est très connu, je pense que tout le monde connaît à peu près cette histoire. On va en parler sans spoil au cas où. Donc cette vidéo sera sans spoiler. Vous pouvez rester écouter cette vidéo sans avoir vu le film, parce qu'on va essayer de vous donner envie. Parce que du coup, Loïc, qu'as-tu pensé du Comte de Monte Cristo ? Eh ben écoute, comme tu le disais précédemment, on a eu le droit aux Trois Mousquetaires. Je précise juste qu'on se permet de les... On va comparer souvent les deux films, enfin en tout cas les deux adaptations, parce que c'est un budget conséquent dans les deux cas, c'est une œuvre de Dumas dans les deux cas, et c'est la même ambition, la même vibe en fait. Voilà, c'est comparable en fait. Donc, exactement, comme je disais, on a eu les Trois Mousquetaires qui étaient, les deux tomes, étaient nuls, mais nuls. Alors que là, vraiment, déjà je me suis dit, putain, t'as passé 3 heures avec un film là-dessus, bon putain, ça va être long. Et finalement, c'était super, vraiment, j'ai beaucoup aimé, et je me suis tourné vers toi à la fin, je me suis dit, putain, Valentin, t'en as pensé quoi ? Il me fait, bref, c'était super bien. Tu spoil mon avis, salopard. Non, mais c'est pour te dire à quel point j'étais surpris. À quel point j'étais surpris parce que, on était du même avis déjà, parce que c'est pas souvent le cas. Vraiment, dans un film de la même ambition que Trois Mousquetaires, celui-là était vraiment bien. Le casting était bon, les couleurs étaient magnifiques, l'histoire était bien. Après, à savoir que moi, je découvrais totalement l'histoire du Comte de Monte Cristo. J'ai jamais lu le livre, jamais vu la série avec Depardieu. Vraiment, j'étais extérieur à ça. Je savais à peu près de quoi ça parlait, genre dans les grandes lignes, mais c'est tout. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je sais que aussi, il y a des compatriotes qui ont adoré les Trois Mousquetaires et qui ont adoré aussi le Comte de Monte Cristo. Je sais pas comment ils font. J'ai beaucoup aimé le film. C'était très bon à voir. Donc si vous n'avez pas vu le film, arrêtez la vidéo, allez le voir et reprenez la vidéo après. Et toi, Valentin ? Tout à fait. On vous recommande d'aller le voir. Et moi, j'ai, comme toi, adoré ce film et je m'y attendais pas du tout. Parce qu'en fait, là où les Trois Mousquetaires échouaient dans tout ce qu'il essayait de faire, le Comte de Monte Cristo réussit dans tous les points où les Trois Mousquetaires échouaient. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable. Je suis rentré dans la salle dépité en me disant, de toute façon, ça va être nul à chier comme les Trois Mousquetaires. Et je t'ai dit même, moi je me passe pas les 3 heures avec la qualité des Trois Mousquetaires, parce qu'on avait fait l'effort, parce que l'autre c'était 2 films, on avait été voir le deuxième par esprit de complétude, voilà, c'est tout. Et donc je m'étais dit, voilà, si c'est nul, de toute façon je me barre tout de suite, ce qui est pas l'habitude de partir de la salle, mais vraiment c'est insupportable ce genre de film. Rappelle-nous devant quel film tu as fait ça la dernière fois. Le Roi Lion 2019. Traumatisme. C'est pour dire quand même que, à quel point le film nous a intéressé. Bon, on diverge. Verge. Bref, voilà le film.
film a réussi un exploit incommensurable pour moi en tout cas, c'est d'arriver, de partir de je vais sûrement me barrer de la salle tellement j'en attends rien, à j'ai adoré le film. Et donc vraiment là c'est vraiment un jump incroyable. Alors pourquoi j'ai aimé? Parce que déjà j'apprécie beaucoup plus le casting de base. Déjà Pierre Niney, Laurent Lafitte, qui est incroyable dans le film, Laurent Lafitte. Exactement, on a l'habitude de le voir un peu plus dans la comédie. Après je connais pas toute sa filmographie non plus, mais moi je sais que je le vois essentiellement dans la comédie. Et là dans ce rôle dramatique, il joue le méchant du film. Ouais, ce sérieux, il était vraiment incroyable. En fait tout le casting est incroyable dans ce qu'ils font, je trouve. Laurent Lafitte qui joue un des méchants du film, il en impose de charisme pendant tout le film, et je m'attendais pas à ce que cet acteur puisse donner une telle performance dans ce rôle là. Donc j'étais très surpris de sa part, et j'ai aussi beaucoup apprécié Bastien Bouillon. C'est un autre des méchants du film, en tout cas c'est... Oui, sur les trois. En tout cas c'est celui qui trahit à la base Edmond Dantès, et qui il a un cache-œil. Si vous l'avez vu dans la bande-annonce, vous voyez de qui je parle. Et donc Bastien Bouillon, que j'avais découvert dans La Nuit du 12, qui est un des rares films français que j'avais aimé aussi en 2022, il y a deux ans. Et donc La Nuit du 12 qui est formidable, qui avait révélé Bastien Bouillon, et à nouveau l'acteur est formidable dans ce film là et Pierre Niney, incroyable aussi, qui pareil, moi j'aime bien Pierre Niney à la base, mais sa seule présence ne suffit pas à me faire apprécier un film. Et là j'ai adoré la subtilité et l'évolution de son personnage. Ouais, totalement. Après moi j'avoue que au début j'avais un peu des réticences pour le film, pas par rapport à Pierre Niney, mais parce que j'avais vu c'était un court extrait de lui qui disait justement c'était Le Comte de Monte Cristo, une adaptation évidemment, mais un peu à leur sauce. Donc je me suis dit putain, comment ça va être, genre vraiment à quel point ça va être à leur sauce. Et bah en fait moi qui n'ai pas lu le livre, donc l'œuvre originale, et n'ai pas vu d'autres choses avant sur ça, et bah en fait pour moi ça va être ma référence maintenant du Comte de Monte Cristo, parce que c'est tout était excellent. Et ouais, c'est vrai que Pierre Niney, j'ai pas l'habitude de le voir en drame, j'ai pas vu Boîte Noire ou des choses comme ça, j'ai l'habitude de le voir un peu en comédie évidemment. Le Docteur Juif. Ah, Docteur Juif, pourtant c'est mon meilleur psychiatre pour moi. Dans La Flamme et le Flambeau. Et vraiment ouais, il était extrêmement bon. Mais il y a pas que lui, il y a aussi l'acteur qui joue le prêtre dans la prison. J'ai plus son nom, mais j'ai déjà vu dans d'autres films. Pier Francesco Favino. Il a joué dans quoi? C'est le mec dans Le Monde de Narnia, Le Prince Caspian, le 2. Voilà. Mais oui! C'est le général Glozel, c'est le salopard là. C'est lui. Et il est vraiment très bon. Un autre élément, à part le casting qui est formidable dans ce film, ça vient des réalisateurs. Comme j'avais dit, qui avait déjà brillé avec la qualité des dialogues et la fluidité du rythme du film dans le film Le Prénom. Et là, je retrouve en fait cette qualité dans Le Comte de Monte Cristo. J'ai pas senti les 3 heures passer, en tout cas, personnellement. Tellement j'étais impliqué dans le film. Une scène qu'on pourrait prendre en exemple sans trop spoiler, c'est la scène où Edmond Dantès, Pierre Niney, convoque ses ennemis dans un château et qu'il leur fait ressurgir de vieux troubles, si vous voyez ce que je veux dire. Un cercueil enterré dans le jardin qui est déterré. Vous voyez cette scène pleine de tensions et de dialogues exceptionnels. Pour moi, cette scène représente toute la qualité du film et ça, on ressent en fait ce rythme. Ouais, totalement. Et puis, en fait, on voit que les acteurs ont travaillé de fou. Et du coup, ça aide aussi à la fluidité et au fait que tu t'attaches à ces personnages, notamment au fil du temps et comment ils sont développés en fait. Bah, l'attachement au personnage, c'est vrai que c'est un élément central aussi du film. Parce que Edmond Dantès, même s'il finit par se venger et que la vengeance c'est pas bien, mais au final ce n'est pas la vengeance, Valentin, c'est la justice. Mais qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte-Cristo. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte-Cristo. Typiquement, cette phrase apparaissait un petit peu, ça paraissait un peu cheap, franchement, dans la bande annonce, mais dans le film, ça rend bien finalement. Mais c'est souvent le cas en fait dans les bandes annonces, on en sort souvent, entre guillemets des phrases ou des petits trucs un peu intéressants. Donc, ce que je disais, c'est que moi j'ai bien aimé du coup le travail des réalisateurs sur ce film, non seulement voilà sur la fluidité, les dialogues du film, mais aussi sur l'étalonnage de l'image, souvent reproché à d'autres films. Peux-tu développer, Valentin, parce que je comprends pas de quoi tu parles. On parlait dans la vidéo flop 2023 des Trois Mousquetaires en disant que l'image était jaune, marron pisse, dégueulasse. C'était constamment, en fait, il n'y avait pas de variation de couleur en fait dans le film. Puis même, l'étalonnage globalement était dégueulasse. Ça s'était un petit peu amélioré sur le deuxième, mais rien de significatif. Là, pour le coup, je retrouve des couleurs partout. Quand au début, voilà, on est dans des prairies vertes et puis le ciel bleu. Après, on est dans le sombre du cachot, puis on revient dans le noir de la vengeance. Vraiment, pendant tout le film, voilà, c'est juste un film bien étalonné. On n'en demande pas plus. Un élément fondamental aussi qu'on reprochait au
Trois Mousquetaires, les scènes d'action où on voyait que dalle, où la caméra tremblait constamment et où même les chorégraphies, bah les chorégraphies étaient peut-être bonnes dans les Trois Mousquetaires, mais la caméra tremblait tellement qu'on ne pouvait rien voir. Ici, par exemple, le duel final, pour ne pas trop en dire, le duel final est parfaitement réalisé, je trouve. La mise en scène excellente. On a très peu de scènes d'action à proprement parler. Ouais. En fait, c'est ça qui est fort aussi. En fait, c'est des scènes fortes en tension qui ont un impact malgré tout, que ce soit aussi bien psychologique que physique. On a par exemple la scène de la chasse. Ah oui. Qui est importante, surtout sur le plan psychologique. Ouais. En fait. Et après, on a des scènes un peu plus romantiques, douces, etc. Notamment l'introduction de sa belle-fille, sa nièce, j'ai plus son nom. Enfin bref. Mais en fait, ouais, on n'a pas vraiment de scène d'action proprement parler. C'est bah, des fois, bah, y a des tirs sur une cible, une petite bagarre au début. Oui, oui. Mais c'est tout, quoi. En fait, il n'y a pas de scène d'action proprement parler. C'est ce qui fait aussi le charme du film. Il n'y a pas trop d'action et quand elle y est, elle est bien faite. C'est ce qui est d'autant plus fort, c'est que sans action, arriver à nous tenir 3 heures, ça prouve bien la qualité des dialogues et puis même du scénario en général. Et quand on disait que dans tous les domaines, il est bon, c'est que là, voilà, on parlait des acteurs, de l'étalonnage, des scènes d'action, mais même la reconstitution en général. Parce que quand le reste est bon, quand la mise en scène est bonne, quand il y a des bonnes scènes d'action pour le peu qu'il y a et puis quand il y a des bons dialogues, tu peux apprécier pleinement tout le reste. Quand il y a un cheval lancé au galop, quand il y a un château à regarder, énormément de décors qui font très réaliste, c'est très appréciable. Quand il est à bateau, le bleu, il est magnifique sur la mer, vraiment, c'est... Ouais, ouais, même, en fait, tous les décors font très vrai, ouais. Et d'ailleurs, ils doivent être vrais, je pense. Vraiment, tu sens, t'es immergé à 100% dans cet univers. Alors, encore un autre élément qui excelle, les maquillages. Ah ouais. Comment Pierre Niney est grimé, pour dire à tel point qu'il était bien grimé, j'ai même pas remarqué que c'était lui qui était grimé en prêtre à un moment. J'ai pas remarqué que c'était lui qui était grimé en duc anglais à un moment. Enfin, les premières apparitions du comte de Monte Cristo en tant que personne étrangère. Et moi, je l'ai reconnu directement en tant que prêtre. Mais non, je parle pas de quand il est en comte de Monte Cristo. Je parle en c'est prêtre ce et puis en. C'est la première fois qu'on voit le comte de Monte Cristo en tant que personne étrangère, donc pas comte de Monte Cristo. Mais du coup, il est pas comte de Monte Cristo. Bah, si, c'est lui qui est déguisé. C'est le comte. Bah, c'est Edmond Dantès. C'est le comte qui est déguisé. Mais non, c'est Edmond Dantès qui est déguisé. Edmond Dantès qui est déguisé en comte, qui est déguisé en autre personne. Mais non, le comte, c'est un des déguisements. Non. Bah, si. Je refuse. You are fake news. Tu vas te faire tirer dessus dans l'oreille, attention. Hein. Mais non, parce que justement, c'est là la subtilité, c'est que quand il est en prêtre et en duc anglais, je l'ai même pas reconnu tellement c'était bien fait. Par contre, quand il est Edmond Dantès en comte de Monte Cristo, bon, c'est un petit peu plus cramé et tu te dis oui. En effet, comment les personnages, ils peuvent pas deviner que c'est lui, quoi. Bah, bon. Bah, c'est pour ça que Mercedes, elle, l'a reconnu au premier regard. Mais c'est vrai que, bah, pour le prêtre, j'ai trouvé ça un peu moins subtil parce que moi, je l'ai reconnu. Après, voilà, j'ai les yeux de lynx. Ah, j'ai les oreilles de lynx et les yeux de rat. Désolé, ne paie pas les loyers et n'essayez pas de vous faufiler derrière moi. J'ai les oreilles de lynx. Et j'ai des yeux de rat. Par contre, c'est vrai qu'en tant que duc anglais, vraiment, c'était impressionnant. Et même, enfin, les maquillages en général, déjà, juste Pierre Niney en tant que Edmond Dantès, c'était déjà bien fait. Mais en plus, le maquillage du comte, enfin, pour les déguisements, etc., c'était vraiment waouh. Et puis en duc anglais, par exemple, il fait pas que de se grimer, il change aussi sa voix, il met un accent anglais. Donc vraiment, il y a un effort à porter là-dessus. C'est juste que bon, voilà, peut-être sur le comte de Monte Cristo, que c'est pas, il y a juste une prothèse de nez, quoi. On va dire, je sais pas exactement tout le travail qui a été fait. Mais en tout cas, voilà, moi, je trouvais ça convaincant. Quand même, surtout voilà le prêtre et le duc. En général, c'était très convaincant. Voilà, en fait, sur tous les points, même la musique. Ah oh, ouais, incroyable. J'ai adoré la musique. Vraiment pendant tout très film. Bonne. Bon là, ça fait longtemps qu'on l'a vu. J'ai plus le thème en tête, mais je sais qu'en sortant de la salle, on avait le thème en tête en tout cas. Il y avait un thème principal et puis même toute la musique accompagnait le film était parfaite. Cinéaste français, prenez-en de la graine, tout simplement. En fait, c'est ça. On passait pour des vieux aigris là quand on critiquait les Trois Mousquetaires. Hein. Moi, ce qui m'énervait, c'est que sous prétexte qu'on n'avait jamais ce genre de proposition en France, fallait tout de suite dire c'est génial. Alors les Trois Mousquetaires, on n'a jamais ça, donc forcément c'est génial. Mais du coup, ce film-là est la preuve que Les Trois Mousquetaires a échoué dans de nombreux points. Pour moi, en tout cas. Oui, on peut dire que il a échoué. Le monde des hommes va s'effondrer. Tu as échoué. Le monde des hommes va s'effondrer. Pour conclure, du coup, excellent film et on aimerait voir ça plus souvent dans le cinéma français. Il faudrait, en fait, c'est juste qu'il faut donner le film à des bons réalisateurs, à une bonne équipe et Martin Bourboulon pour Les Trois Mousquetaires n'était pas un bon choix. Alors que De La Patellière et De La Porte, ça, ce sont de bons réalisateurs qui avaient déjà fait leur preuve avant avec un bon film. Je suis pour que ces mecs-là viennent s'occuper d'autres grosses productions françaises de cet acabit. Et c'est en tout cas très bien que Pathé et des producteurs essayent de miser sur des films comme ça. Et je suis très content que le Comte de
Monte Cristo marche bien au box-office aussi. Il marche vraiment bien, parce que je sais qu'un truc en plus marche du tonnerre. Oui, oui. Mais Monte Monte Cristo, je sais pas, parce qu'on entend moins parler, j'ai l'impression. Si, si, il a bien démarré. Alors, en tout cas, ça fonctionne bien, ça c'est sûr. Okay. Je sais pas à quel niveau. Aussi, la fête du cinéma l'a bien aidé aussi. Donc, je suis content aussi que le public soit réceptif à ce genre de proposition et à, voilà, de l'ambition dans les films français. Voilà, c'est ma conclusion. C'est un super film. On vous recommande d'aller le voir. Ouais, totalement. Si jamais il fait trop chaud cet été, qu'il est encore dans les salles, n'hésitez pas à y aller. Si jamais il n'y a plus de place à la piscine, allez dans les salles de cinéma. Il y a la clim, donc profitez-en. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce, lâchez un commentaire, et puis vous pouvez nous suivre sur notre compte Sens Critique et Twitter. Tous les liens sont dans la description. À plus tard. Salut. Salut.